Bienvenue à tous. Un Zoom aujourd'hui dédié à l'immense Jacques Bainville. Pour en parler, je reçois Christophe Dickès. Bonjour monsieur. Bonjour. Christophe Dickès, docteur en histoire contemporaine, spécialiste des relations internationales. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, on en parle dans un instant. Jacques Bainville, les lois de la politique étrangère, avec le beau visage de Jacques Bainville, une photo avec un regard qui en dit long. François Mauriac, justement, Christophe Dickès, disait de Jacques Bainville qu'aucun écrivain n'a eu dans sa génération un rôle aussi défini que le sien. C'était quoi le rôle de Jacques Bainville ? Malheureusement, c'était le rôle de Cassandre. Vous savez, Cassandre, dans la mythologie, c'est cette personne dans la guerre de Troie, c'est celle... cette personne qui annonce le pire et que personne n'écoute. Et donc, au lendemain de la Grande Guerre de 14-18, il a compris dès 1917, 1918, dès 1919, ce qui allait se passer dans les années à la fois 20 et dans les années 30. Et malheureusement, il avait raison. Et c'est ce rôle que définissait Mauriac comme absolument essentiel. Alors justement, dans son ouvrage « Les conséquences politiques de la paix » qu'il avait publié l'année du traité de Versailles en 1919, il annonce l'avènement d'Hitler, l'agression contre la Pologne, la mort de la Troisième République et la Seconde Guerre mondiale. Quel était le secret de la clairvoyance de Jacques Bainville ? Alors il va même plus loin, c'est-à-dire que dès 1918, il dit dans un article qui s'appelle « Demain », datant du 11 novembre ou du 10 novembre 1918, dans quoi va se réveiller l'Allemagne ? L'Allemagne va se réveiller dans un ensemble social, national, socialiste. En fait, il comprend que le nationalisme et la démocratie, d'autre part, qui va être imposé à l'Allemagne, eh bien, va provoquer des étincelles et va, au fond, enfanter, possiblement, un régime qui va vouloir à tout prix chercher qui va chercher sa revanche. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, au-delà de ça, il va prévoir la remilitarisation de la Rhénanie, dès 1936. Il va annoncer l'Anschluss, la réunification de l'Autriche à l'Allemagne, l'invasion de la Tchécoslovaquie et ensuite, effectivement, le pacte germano-soviétique, une nouvelle guerre européenne et donc une nouvelle déflagration mondiale. Son secret, c'est l'histoire. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que pour lui, un homme politique qui n'est pas allé, qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un médecin qui n'est jamais allé à l'hôpital. L'histoire est là pour éclairer le présent. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que les professeurs d'histoire sont censés enseigner aujourd'hui. Pourquoi on enseigne l'histoire dans les écoles ? Pour mieux comprendre ce qu'il se passe aujourd'hui. Voilà. Nous sommes le produit d'une histoire. Il faut comprendre cette histoire et afin de nous permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe au présent, et Bainville prolonge sa réflexion en essayant de voir ce qu'il va se passer dans le futur. Et c'est un exercice intellectuel extrêmement difficile. Il faisait beaucoup ce qu'on appelle l'uchronie, c'est-à-dire l'histoire avec des si. Que se serait-il passé si Louis XVI était passé une demi-heure ou bien un jour plus tôt à Varennes ou un jour plus tard à Varennes ? S'il n'avait pas été reconnu, que se serait-il passé si l'Autriche avait été rachetée la Corse et que Napoléon serait devenu le maréchal Fell von Bonaparte, comme l'avait raconté le regretté Jean Dutour dans un livre, Le maréchal Fell von Bonaparte, où il fait cette histoire, où il imagine cette histoire, cette uchronie. Donc c'est faire l'histoire avec des si. Et il faut une représentation, une intelligence de l'esprit pour se représenter ce qu'aurait pu être l'histoire si elle avait pris tel ou tel autre chemin. Et donc cet exercice intellectuel, c'est une sorte de... Pour Bainville, ça lui permet de faire ses gammes, de mieux comprendre l'histoire, de mieux comprendre le sens de l'histoire, même ou les sens de l'histoire, parce qu'il n'y a pas un sens de l'histoire, la nature est plastique, il n'y a pas de déterminisme chez Bainville, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de progressisme, l'homme peut agir sur son milieu, à lui de prendre les bonnes décisions précisément en connaissant son histoire, en essayant de comprendre ce qu'il s'est passé par le passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le présent. Oui, le refus de toute idéologie, qu'elle soit démocratique, fasciste ou communiste. Exactement. Vous le disiez à l'instant, Christophe Dickès,
Oui, allez-y. C'est ce qu'on appelle l'empirisme organisateur. Ouais. L'empirisme organisateur, c'est une théorie qui est développée au sein de l'Action française par Charles Maurras. Et c'est en cela que je dis que Jacques Bainville est plus maurrassien que Charles Maurras lui-même, parce que c'est celui qui applique le mieux c'est l'empirisme organisateur au sein de l'Action française. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est lui, au sein de l'Action française, qui connaît le mieux son histoire. C'était quoi les ingrédients qui ont permis à Jacques Bainville de voir que l'Allemagne allait se lancer dans cette idéologie à la fois socialiste et nationale ? Ben, les ingrédients, c'est de voir le sentiment unitaire allemand qu'il connaissait bien. Si vous voulez, Bainville naît dans un milieu républicain. A priori, il ne devait pas se tourner vers le royalisme. Or, il se tourne vers le royalisme, pourquoi ? Parce qu'il vit en Allemagne. Il fait partie de cette génération, donc il y va quand il a 16, 17, 18 ans. Il fait partie de cette génération qui a entendu que celui qui a gagné la guerre de 1870, c'est le professeur allemand. Et donc on envoie les jeunes en Allemagne pour apprendre l'allemand. Et il voit ce sentiment unitaire allemand. Il voit que ce sentiment unitaire existe notamment grâce à la monarchie. Et il comprend que la monarchie, contrairement à ce que lui a enseigné son père, était au fond un métier. Le monarque exerce un métier comme un autre. Et donc, alors que la France se divise sur l'affaire Dreyfus, il voit cette Allemagne unifiée qui ne cesse de développer ce sentiment unitaire et il voit que la France, elle, se divise et qu'il faut faire, il faut réagir. Voilà. Et c'est pour cette raison qu'il se tourne vers Charles Maurras. Et Charles Maurras va en quelque sorte le bonifier en lui apportant des nouveaux éléments sur le plan de la pensée, sur le plan de l'intelligence. Et Bainville va faire son chemin ensuite, non pas tout seul, mais au sein de l'Action française, en devenant chroniqueur de politique étrangère, en assurant la chronique de politique étrangère au sein de l'Action française, donc qui était quotidienne à partir de 1908. Donc pour revenir à votre question, il comprend que ce sentiment national allemand, il va être exacerbé avec cette paix de 1919 qui est trop douce pour ce qu'elle a de dur, trop dure pour ce qu'elle a de doux. Ce qui est une formule absolument géniale, parce que en quoi elle est trop douce cette paix ? Parce qu'elle ne punit pas assez l'Allemagne en la divisant. Bainville voulait démembrer l'Allemagne. Et en cela, est-ce que c'était impossible ? Non, ce n'était pas impossible, parce qu'on s'aperçoit, quand on étudie les archives du Quai d'Orsay, que c'est un scénario qui est envisagé au sein de la politique française, mais le problème, c'est que les Anglais le voient d'un tout autre œil et ils ne souhaitent pas démembrer l'Allemagne. Donc, ce traité en cela est trop doux. Mais d'un autre côté, il est trop dur. Pourquoi ? Parce qu'il donne une responsabilité à l'Allemagne. Et donc, il va développer ce sentiment de revanche. Mais pire, il va développer ce sentiment de revanche aussi auprès des Allemands d'Autriche, ou bien des Autrichiens allemands, etc., etc. Et donc, tous les ingrédients sont là pour que, une fois réunis, eh bien, de façon exacerbée, eh bien, les Allemands, à un moment, recherchent une revanche. Et il explique que l'Allemagne pourra très bien ne pas sortir de la démocratie et appeler à sa tête un dictateur, parce que la démocratie, elle a été imposée. Wilson voulait rendre le monde libre, il voulait sauver le monde par la démocratie, et finalement, Bainville, qui avait une culture très classique en soi, ce sont les philosophes grecs qui nous l'enseignent, eh bien parfois, il y a des dictatures de droite, mais il y a aussi des dictatures de gauche, et on sait ce que le fascisme doit à la gauche, que ce soit le fascisme allemand ou bien le fascisme italien. Et donc Bainville comprend très bien cela, et au fond, il ne croyait pas à cette formule de Wilson qui voulait sauver le monde par la démocratie, puisqu'on s'est aperçu que cette démocratie, elle a produit aussi l'hitlérisme. Bainville avait donc anticipé cette montée de la violence qui irait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi le gouvernement français, les gouvernements français n'ont-ils pas suivi, cru Bainville ? Parce qu'ils ont cru, en la paix, tout simplement. En fait, il y a deux périodes. Il y a la période qui va, on va dire, de 1919 à 1924, et puis après, 1924, c'est l'élection de la gauche au pouvoir en France, et un changement de politique avec Aristide Briand, notamment en 1925, avec le traité de Locarno, qui redonne en quelque sorte les manettes à l'Allemagne, et qui redonne une liberté à l'Allemagne, alors qu'on attendait à ce que l'Allemagne paye. Or,
L'Allemagne, dans la période 1919-1924, devait payer. L'Allemagne avait des dettes. Et comme l'Allemagne ne payait pas, eh bien, la France a voulu se payer elle-même en allant envahir la Ruhr et en récupérant sur place ce qu'elle ne pouvait pas récupérer, tout simplement, de la part de l'État allemand. Donc, face à un État allemand qui était en crise, hein, il faut le dire, eh bien, la France a retrouvé sa liberté. Et après 1925, elle se lie à nouveau les mains parce que, eh bien, elle s'engage vis-à-vis de l'Allemagne et l'Allemagne s'engage vis-à-vis de la France. Alors, certes, c'est un engagement réciproque, mais c'est un engagement de dupe par rapport à la situation d'avant. Pourquoi ? Parce que la situation d'avant, la France avait cette liberté qu'elle n'a plus après 1925. Donc, en fait, la France s'est en quelque sorte placée elle-même dans une impasse, et cette impasse, encore une fois, cette impasse l'a amenée à être dupe de l'Allemagne, alors qu'en face, il y avait un personnage qui s'appelait Gustav Stresemann, qui était le ministre des Affaires étrangères en Allemagne, et que ce ministre des Affaires étrangères, lui, avait un plan bien établi, et a établi exactement, a fait la politique qu'il souhaitait, visant à renforcer l'Allemagne sur la scène internationale. C'est exactement ce qu'il a fait. Quel bilan peut-on faire de la pensée de Bainville au global, de la pensée de Bainville en matière de politique étrangère ? Alors c'est une très vaste question. Mon livre, donc paru aux éditions L'Artilleur du Toucan, on ne l'a pas dit, c'est un livre qui porte comme sous-titre Les lois de la politique étrangère. Bainville, en fait, c'est un homme classique. En cela aussi, les Maurrassiens. Vous savez, Maurras, le siècle référence, c'est le XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, il y a ce personnage qui s'appelle Richelieu, qui développe une politique classique d'équilibre des puissances. Eh bien, Bainville est pour cet équilibre des puissances et il souhaite tout simplement que la France puisse avoir la maîtrise de sa politique étrangère en appliquant une politique qui n'est pas fondée sur, encore une fois, le progressisme, sur l'idéalisme, mais sur le réalisme. Et le réalisme, le réalisme en soi doit venir de ces lois de la politique étrangère qui constitue le sous-titre de cet ouvrage. Et les lois de la politique étrangère, c'est quoi ? C'est la loi de dépendance. C'est-à-dire que nous dépendons de la politique des hommes du passé, nous dépendons de la politique des nations dans le passé. Donc il faut connaître cette politique, il faut s'en imprégner, il ne faut pas imposer un point de vue, il faut savoir négocier de façon classique. En fait, encore une fois, Bainville est un produit, certes, il a une vision très 17e-iste, mais aussi 19e siècle. Il se dit produit du 19e siècle avec une politique classique de ces grands personnages des chancelleries qui peuplaient, oui, des grands ambassadeurs des chancelleries internationales qui peuplaient l'Europe et les grands salons d'Europe où il s'agit de donner à l'ambassade toute sa place dans un univers très complexe de poids et de mesure où il faut calculer chaque parole. Je pense qu'il aurait été très désorienté par ce qui se passe aujourd'hui où la communication est tellement rapide à travers les tweets, à travers les journaux, et il a analysé ça d'ailleurs. Je ne sais plus quel est le président des États-Unis qui a été annoncé vainqueur au début du siècle par les médias, et finalement ce n'était pas lui, ce n'était un autre. Et donc Bainville, j'allais dire, critique ce monde médiatique qui veut aller trop vite. Il veut faire la place à la politique de cabinet, la politique de ces ambassadeurs dont je parlais à l'instant, qui pour lui ont un rôle absolument déterminant pour l'établissement de la paix. On l'a dit il y a quelques instants, Jacques Bainville était membre de ce mouvement royaliste, l'Action française. Il a cette phrase que j'aime beaucoup, il faut croire à trop de choses pour être républicain. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrypter cette pensée ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il n'y a pas de… la croyance est de l'ordre de l'idéalisme. Certes,
il faut faire des paris en politique, mais se mettre tout le temps sous l'angle du progressisme ou de l'idéalisme, c'est à coup sûr se prendre des coups, et c'est exactement ce qui va se passer avec Aristide Briand, mais aussi avec Blum. C'est-à-dire Blum qui pense que Hitler ne va pas rester trois semaines au pouvoir. Donc, pourquoi ? Parce qu'il n'y croit pas. Voilà. Or, ils avaient tout en main pour se rendre compte des maux qui allaient apparaître et de ce fléau terrible qui allait à nouveau tomber sur l'Europe. Un seul exemple, 1936, c'est la remilitarisation de la Rhénanie. On sait que si la France avait réagi, eh bien Hitler aurait reculé. Exactement comme quand Dollfuss, chancelier autrichien, est assassiné. C'est Mussolini qui annonce à la femme de Dollfuss et à ses enfants qui vient d'être assassiné par les nazis. Et Mussolini envoie sur le col du Brenner des troupes prêts à protéger l'Autriche, et c'est le seul à réagir comme cela. On voit là qu'il y a deux événements où Hitler fait marche arrière par rapport à cela, et plutôt que d'une politique agressive vis-à-vis de l'Autriche, eh bien, il relance la diplomatie. Bref, on voit que si la France, plutôt que… – Oui, elle aurait dû jouer l'intimidation plutôt que d'être sur la réserve. – Non pas d'être sur la réserve, d'être préoccupé par les élections de 1936, parce que c'est ça le problème. C'est que, en cela… la France, plutôt que de voir son intérêt qui était de lutter contre l'Allemagne, eh bien, voyait d'abord les élections. Et en cela, et je sais que vous allez me poser la question, il influence De Gaulle. Parce que la constitution de la Ve République fait de la politique étrangère un domaine réservé du chef de l'État. Et ça, c'est du Bainville. Ça, c'est du Bainville. On sait que Bainville a influencé De Gaulle en 1943, 44, 45. C'est une évidence. Il était sa référence sur la question allemande. Oui. Mais même un François Mitterrand, quand il voit la réunification allemande, il en a peur. Et c'est pour cette raison qu'il met un certain temps. – Qui disait « j'aime tellement l'Allemagne que j'aime quand elle est multiple ».– Exactement, c'est De Gaulle. – C'est De Gaulle qui le disait. – Voilà. Et donc, Bainville en fait influence, mais il y a eu aussi un colloque, hein, ce n'est pas le seul, Bainville n'est pas le seul de l'Action française, Maurras influence beaucoup la Ve République. Il y a eu un colloque qui a été organisé par Martin Motte et mon professeur de thèse Georges-Henri Soutou sur l'influence de Maurras sur les institutions. Et ça, c'est très… On le cache, bien évidemment, on ne le dit pas, mais c'est une chose qui est réelle. – L'économiste français Jacques Rueff avait fait de Bainville l'un de ses maîtres en matière économique. Comme on le disait à l'instant, il était, Jacques Bainville, membre de ce mouvement royaliste, l'Action française. Il affirmait, Bainville, ne pas être libéral. Comment se définissait-il économiquement ?– Alors, c'est une très bonne question, parce que Bainville, on ne le sait pas, mais Bainville assurait une rubrique boursière dans la Revue universelle et une rubrique économique dans le journal La Liberté, qui est l'équivalent du journal Les Échos, à l'époque de l'entre-deux-guerres. Donc vous voyez, Les Échos, ça vous replace le personnage. Et donc c'était Bainville, à la différence de… En fait, à rebours de Daudet. Daudet, Léon Daudet, qui était son ami, Léon Daudet, c'est le fils d'Alphonse Daudet. Léon Daudet se marie avec la petite-fille de Victor Hugo, de L'Art d'être grand-père de Victor Hugo. Et donc il vient du monde, Léon Daudet. Et plus le temps passe, plus il se retire du monde. Bainville, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus il rentre dans le monde et il est reconnu comme un personnage et il est intégré dans tous les milieux. François Huguenin dit que c'est le trait d'union entre le monde de l'Action française et le monde officiel. Bainville part en Russie. Lors de la guerre de 1914-1918, il est envoyé par Aristide Briand en mission officieuse en Russie. Et donc, pour Rueff, Rueff lisait Bainville et estimait que c'était un de ses maîtres. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est un libéral sur le plan économique, mais pas sur le plan
politique. Et c'est ce qui le distingue beaucoup de Maurras, qui était beaucoup plus, on va dire, corporatiste. Voilà. Mais c'est ce qui fait la complexité de l'Action française, au fond. Ce que soulignait déjà un René Raymond en son temps dans Les Droites en France. Il montrait la complexité de ce mouvement, l'hétérogénéité de ce mouvement qu'on ne saurait réduire à, j'allais dire, à un esprit, voilà, un esprit antiparlementaire, point, passant à autre chose. Non, il y avait véritablement une complexité au sein de ce mouvement, et le personnage Bainville en fait, enfin, est un des exemples flagrants. Journaliste, on le dit, Jacques Bainville l'était. Et qu'est-ce qu'on peut dire du personnage Bainville, le journaliste ? Alors Bainville, le journaliste, d'un point de vue très concret, c'était un personnage qui, alors qui, non pas qu'il faisait la grasse matinée, mais la première chose qu'il faisait au petit matin, c'est qu'il restait dans son lit, prenait son petit déjeuner dans son lit, et il recevait tous les journaux internationaux. Et ça, c'est très important, parce que on ne peut qu'inciter ceux qui travaillent sur les relations internationales aujourd'hui à lire évidemment ce qui se passe dans la presse étrangère. Pour travailler sur les relations internationales, il faut parler plusieurs langues. Tout comme pour être historien, il faut parler plusieurs langues pour lire les travaux des étrangers. Sur Bainville, il n'y avait que des travaux américains. Pour vous dire, il y avait trois œuvres américaines donc, sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc Bainville se levait, je reviens au sujet, Bainville se levait et il lisait les journaux allemands, les journaux anglais, les journaux italiens, les journaux espagnols, les journaux suisses. Voilà. Les Suisses, c'est important de connaître leur avis parce qu'ils sont neutralistes, les Suisses. Donc connaître l'avis des neutres, c'est important parce qu'ils ont une analyse peut-être plus fine que les autres. Donc il faisait cela, il rédigeait son article pour La Liberté le matin et l'après-midi, il allait travailler sur, à l'Action française et il publiait son article pour le, parce que l'Action française était un journal du soir, il publiait son article qui était envoyé en fin d'après-midi. Et ensuite, il rentrait travailler sur ses livres. Alors, bien évidemment, il participait à bien d'autres revues. Il a été directeur de la Revue Universelle, qui est une revue extrêmement importante de l'entre-deux-guerres, qui a un objet véritablement de défense de la civilisation, justement contre l'esprit asiatique. Et l'esprit asiatique, c'est en partie l'esprit allemand. C'est pour ça que faire de l'Action française, de manière générale, un parti collaborationniste, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas plus anti-germanophobe, il n'y a pas plus germanophobe, pardon, que l'Action française. Il y a une vraie germanophobie. Ouais, exactement. Donc il y a une germanophobie. Alors, c'est, enfin, la germanophobie chez Bainville, elle existe, même si elle est nuancée, il en parle. C'est le Prussien, en fait, qui est… – C'était quoi la source de cette germanophobie ?– Eh bien, c'était tout simplement ce qui s'était passé en 1914, en France, parce qu'ils estimaient que l'Allemagne portait une responsabilité écrasante dans le conflit, et puis dans l'agression belge, dans les bombes sur Reims, sur la cathédrale de Reims, etc., etc. Donc il y a une véritable… on vit dans une époque voilà, où les nationalismes sont exacerbés et donc où les Français, de manière générale, sont germanophobes et ne croient pas à la réconciliation franco-allemande. Et vous évoquiez ses ouvrages sur lesquels il travaillait en fin de journée. Bainville en a publié une trentaine. Que retenir de l'œuvre littéraire de Bainville ? Alors, il y a plusieurs œuvres, en fait. Il y a d'abord son Histoire de France, qui est très connue, donc je vais la laisser de côté, qui est encore rééditée jusqu'à nos jours. Qui a été écoulée à des centaines de milliers d'exemplaires. Je pense qu'on est à 500 000 d'exemplaires aujourd'hui. Donc, son Napoléon, ce qu'il y a d'intéressant dans son Napoléon, c'est l'approche psychologique du personnage. On ne l'a pas dit, mais Bainville réhabilite la psychologie, l'analyse psychologique dans l'histoire. Et ça, c'est très important sur le plan historiographique. Mais au-delà de ça, bien évidemment, vous évoquiez tout à l'heure Les conséquences politiques de la paix, qui est un livre absolument majeur pour ceux qui étudient les relations internationales. Mais mon préféré, c'est l'histoire de trois générations. L'histoire de trois générations, ce sont les trois générations, un siècle, c'est trois générations. Et il parle des trois générations qui vivent au 19e siècle. Et en fait, qui arrive avec Napoléon et qui meurt en quelque sorte avec l'époque bismarckienne et puis la naissance de la Troisième République. Et donc il analyse comment en quelque sorte se font face deux mouvements, un mouvement idéaliste démocratique
Et l'autre mouvement, qui est représenté notamment par l'historien Albert Sorel, à ne pas confondre avec Georges Sorel, Albert Sorel, qui est un analyste classique des relations internationales, et qui défend, lui, une politique davantage d'équilibre, et non pas une politique idéaliste qui trouve ses racines dans le mémorial de Sainte-Hélène. Et ce mouvement idéaliste, c'est un mouvement qui soutient ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un mouvement révolutionnaire. Et donc le nationalisme de Bainville, c'est un nationalisme qui vaut pour la France, mais qui vaut moins pour les autres peuples, parce que Bainville, par exemple, pensait que l'Autriche-Hongrie avait un véritable rôle géopolitique au sein de l'Europe centrale. Et que, d'ailleurs, si on a détruit l'Autriche-Hongrie, c'était une faute, parce que l'État, ce qu'il reste, c'est ce que disait Georges Clemenceau de manière ironique, l'Autriche, c'est ce qu'il reste, alors qu'il s'agissait d'un espace… – Le dernier empire chrétien. – Exact, du dernier empire chrétien, et surtout un espace… Bainville disait, il ne faut pas aimer l'Autriche pour ce qu'elle est, il faut aimer l'Autriche pour le rôle qu'elle a de contre-pouvoir, de créant un équilibre à l'Est contre le géant allemand. Eh bien, en laissant un État croupion face au géant allemand, il savait qu'à un moment ou un autre, l'Allemagne allait mettre la main sur l'Autriche, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il décrit en fait ce double mouvement idéologique au XIXe siècle dans son livre « Histoire de trois générations ». Je me permets de citer d'ailleurs la réédition des œuvres de Bainville dans la collection bouquins chez Robert Laffont que j'ai dirigée, qui a été publiée déjà il y a plusieurs années. Elle vient d'être rééditée à nouveau parce qu'elle n'était plus disponible. Et dans ce tome, il y a à la fois les conséquences politiques de la paix, mais aussi l'histoire de trois générations. Ce sera ma dernière question, Christophe Dickès. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui Jacques Bainville soit aussi méconnu ? Alors, c'est une grande question. C'est-à-dire que, étonnamment, on connaît plus Maurras. Il y a beaucoup de livres sur Maurras, mais il y a très peu de rééditions de Maurras. C'est assez incroyable. On réédite. On réédite très peu Maurras. La collection bouquins vient de rééditer du Maurras. C'était pas arrivé depuis. Est-ce qu'on peut expliquer des décennies. Et Bainville, c'est l'inverse. Cette méconnaissance de Bainville à son caractère, vous dites, c'était un grand calme, il était serein, c'était non, pas un expansif. Pas. Non. Bainville, c'est l'inverse. On réédite Bainville, mais il y a très peu d'études sur Jacques Bainville, contrairement à Maurras. Je pense que il est beaucoup plus connu qu'on ne le croit. Il avait un esprit moins vaste que celui de Maurras, moins étendu que celui de Maurras, mais il a saisi ce qu'était l'histoire de France à travers un livre qui a traversé les époques, puisqu'il est encore lu aujourd'hui, autant pour les enfants que pour les adultes, parce qu'il y a la petite histoire de France de Bainville, mais il y a aussi l'histoire de France classique. Et quand je parle de Bainville, les gens me disent « bah oui, je connais l'histoire de France ». Donc il est beaucoup plus connu qu'on ne le croit. Et s'il est connu, c'est parce qu'il est réédité, alors que Maurras, à contrario, est peu réédité. En revanche, des bouquins sur Maurras, vous en avez un qui sort tous les 5 ans. Votre ouvrage, Christophe Dickès, ça n'est pas une biographie. Jacques Bainville, Les lois de la politique étrangère, publié, redisons-le, chez l'artilleur, le Toucan, l'artilleur, Bernard Giovanangeli. Merci, Christophe Dickès. Merci à vous.